Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo crash test slash première impression du masque tissu de la marque Garnier. Donc ils ont sorti, il me semble, à peu près en septembre lors des promos beauté Leclerc du mois de septembre. Donc c'est le masque tissu de la collection Hydra Bomb. Donc ils ont sorti plein d'autres produits de la même gamme. Donc c'est un masque super hydratant, repulpant, réhydrate instantanément et réduit les ridules. C'est donc et booste l'éclat de la peau, pardon, c'est à la grenade et bien entendu à l'acide hyaluronique et aux sérums hydratants, donc c'est pour les peaux déshydratées. Et le masque est un équivalent d'une semaine d'actifs hydratants du soin Hydra Bomb jour. Donc voilà. Donc je vais te laisser avec les images qui datent d'il y a 2 jours. Donc oui, il y a 2 jours j'avais pas cette couleur de cheveux et donc je te retrouve juste après. Donc du coup, pourquoi revenir 2 jours plus tard, enfin exactement 48 heures plus tard après avoir testé ce masque? Tout simplement parce que comme ils promettent de faire un effet au bout de aussi efficace qu'une semaine de soins, je voulais voir si c'était efficace que sur la journée même ou si par exemple 48 heures plus tard, on ressentait toujours les mêmes effets. La réponse est oui. Donc après avoir utilisé le masque, donc moi, il faut savoir, je réinsiste, je laisse jamais 15 minutes comme ils disent, je laisse toujours 20 minutes à 30 minutes. Parce qu'il reste encore de la matière sur le masque, donc pourquoi l'enlever et le jeter plutôt que d'essayer d'attendre un peu plus et que le produit soit encore plus absorbé par la peau. Et franchement, j'ai trouvé ma peau plus repulpée, plus rebondie, plus jeune et bien plus fraîche, bien plus belle qu'avant le test. Donc voilà. Donc par contre, le gros défaut de ce masque, c'est que même sans le mettre au frigo, il a un côté très rafraîchissant, donc oui, pour l'été ça peut être top, mais pour l'hiver, on a la peau déshydratée justement par la sécheresse. C'est bof bof, parce que franchement, même moi, je suis quand même quelqu'un de très frileux, parce que je tiens à le dire que si dans la maison il ne fait pas 26, même s'il fait 24, déjà j'ai froid, clairement. Mais du coup, même en l'ayant testé en début octobre, c'était déjà de limite, donc je me vois pas du tout l'utiliser. Par contre, en plein mois de décembre où je vais me geler les miches, non, clairement non. Mais par contre, en plein mois d'été, en plein mois de juillet, où je vais avoir la peau déshydratée par la chaleur, par la sécheresse et compagnie, là oui, je vais l'adorer. Mais voilà. Après, c'est kiff kiff borico, mais autant l'utiliser sinon une journée où tu es près de la cheminée, ça peut être pas mal. Mais voilà, personnellement, je ne vais pas l'utiliser par exemple dans ma chambre comme j'utilise tous les autres masques ou ici, parce qu'ici c'est une pièce qui n'est jamais chauffée. Donc voilà. Donc pour le test, oui, mais pour la vie de tous les jours, je ne le referai plus. Donc voilà, donc vraiment gros coup de cœur sur ce produit. Le prix, je vais te l'afficher ici et je le te remettrai en barre d'infos. Mais personnellement, est-ce que je serais tentée de racheter ce produit? Oui, mais en tout cas, je ne le mettrai pas pour l'hiver, ça, crois-moi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas surtout à me rejoindre un peu partout histoire de rien louper au niveau information. N'hésite pas non plus à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait énormément plaisir de te compter parmi ma pancha family. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !